Réglage du solénoïde. Donc pour ce faire, vous allez retirer le carter de droite. Donc vous dévissez un petit peu la vis du bas ici. Celle du haut ici, vous la dévissez un petit peu. Et vous allez soulever le cache. Il va être plus simple de se placer sur l'aiguille de droite. Donc pour ça, vous appuyez sur les trois aiguilles et vous allez complètement à droite sur l'aiguille 9 ou l'aiguille 15 en fonction de votre machine. Maintenant, vous avez une pièce noire ici. Donc avec votre doigt, vous tirez dessus vers l'avant de la machine. Ici à droite, vous avez un petit levier gris. Vous le tirez devant, vers l'avant de la machine. Donc vous gardez ces deux pièces vers l'avant de la machine en les tenant. Et après, ici à l'intérieur, ici, vous avez une vis. Donc avec une clé Allen de 3, vous la desserrez. Et votre levier ici, il va bouger d'avant en arrière. Ce qu'il faut, c'est l'amener vers l'avant pour qu'il vienne en contact contre la pièce noire. Donc une fois que vous êtes en contact, vous venez resserrer la vis ici en dessous. Vous serrez alors pas trop fort, hein, juste un petit peu pour pas que ça se desserre. Donc maintenant on va contrôler le réglage. Donc le levier gris, vous le poussez vers l'avant. Et ce qu'il faut, c'est que la pièce noire, il y a un petit jeu. Il faut arriver à la bouger, en gros il y a un petit millimètre d'avant en arrière. Donc le levier noir, vous le poussez bien vers l'avant. Et normalement, la pièce noire, elle doit bouger un petit peu. Si vous n'arrivez pas à la faire bouger, c'est que vous avez mis votre levier à l'intérieur trop en contact. Donc du coup, il faut recommencer l'opération et le ramener un petit peu plus à l'arrière. Et une fois que c'est bon, bah, vous pouvez tout remonter et votre solénoïde est réglé.